Atlantes se préparent à la guerre. Après avoir poli leur armure et aiguisé le fer de leurs lances, les soldats rassemblent leurs affaires en vue de leur départ pour la Méditerranée. Pendant ce temps, le reste de la population fait de son mieux pour assurer la victoire aux Atlantes. Les familles Atlantes se rationnent, mais nos réserves de nourriture ne sont pas illimitées. La demande reste forte. Les eaux de la Méditerranée jaillissent des colonnes d'Hercule pour déferler sur nos côtes. Les dieux sont forcément à l'œuvre derrière ce raz-de-marée. Les Grecs sont le peuple de Zeus et nul doute que ce dernier repousse les eaux vers l'Atlantique dans l'espoir, fut-il, que cela empêchera nos navires de lever l'ancre en direction de la Grèce. Mais nul doute que Poséidon, notre père à tous, ne supportera pas longtemps que Zeus usurpe son pouvoir sur l'océan. Il se vengera. Oui, notre mission demeure évidente. Main dans la main, les Atlantes marchent pour défendre l'Atlantide. Ils marchent pour libérer nos frères de Carthage et de Memphis, soumis à la dictature des Grecs. Ils marchent pour défendre notre peuple contre les haïssables centaures qui, tout au long de notre histoire, ont toujours cherché à nous opprimer. Ils marchent en sachant que bientôt, le peuple grec cessera de se dresser en travers du chemin de l'Atlantide. Une fois qu'ils auront rempli leur mission, les Atlantes ne connaîtront plus jamais la souffrance et pourront vivre libres et en paix. Salut tout le monde et bienvenue sur Poséidon, le maître de l'Atlantide. Nous sommes à la mission 7, la défense de l'Atlantide du scénario La Renaissance de l'Atlantide. Nous aurons 6 objectifs, à savoir régner sur les villes du Mont Olympe, de Carthage, de Memphis, construire un grand sanctuaire en hommage de Poséidon, 5000 personnes vivent dans des maisons de ville ou mieux, et 340 personnes qui vivent dans des manoirs ou mieux. Déjà, hop, on va commencer par établir le grand sanctuaire en hommage de Poséidon. Voilà, déjà ça règle un problème. On va demander un petit coup de main à Atlas. Hein. J'aimerais apporter si on peut faire des économies sur les matériaux, pourquoi pas. Ici, je vais faire quelques orangeries. Ah, déjà, je vais en faire une de plus ou deux. Alors, on peut nourrir 7200 personnes quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Donc, apparemment, Mycène va nous réclamer un tribut pour les prochaines années. Bon, on va satisfaire leur demande. Comme ça, ça nous évitera qu'ils nous massacrent. Hop, je récupère les deux personnes qui manquent. Je pense qu'on a déjà l'objectif des maisons. Ouais. Oh, le sanctuaire de Poséidon est déjà à 33% près. Magnifique. Et là, à mon avis, on va se prendre des raz-de-marée, donc on va faire gaffe à nos côtes, parce qu'on va avoir, des docks, voire nos frégates qui peuvent être concernées par cela. Donc là, Memphis, on n'a plus de blé, Malacca non plus, et l'Atlantide non plus. Donc là, on a tous nos tribus qui arrivent, ainsi... On va déjà essayer de terminer rapidement le sanctuaire. Je vais essayer de redonner un coup de main à Atlas s'il veut. J'aimerais apporter. Allez, deuxième service pour Atlas, comme ça. Il va construire un sanctuaire en hommage de son papa, Poséidon. Là, ça se pâtit bien. Je vais déjà enregistrer, on sait jamais. Ah, et je me suis trompé, j'ai enregistré sur le 6 au lieu du 7. Tant pis. Ok. Donc là, notre économie remonte en flèche. Je vais aider l'Atlantide avec la nourriture. Bon, là, c'est bien, ça nous a aidé l'économie. Bon, là, on a toujours le problème avec les oranges. Les blocs de marbre qui continuent d'orner le sanctuaire ici. Au niveau de la nourriture et des ressources, c'est plutôt pas mal. Ouh, Lilla, elle a disparu totalement. Ok. Donc, premier avertissement. Je pense qu'une fois que j'aurai battu les différents ennemis, on sera tranquille.
Je vais quand même demander de la nourriture à Artemis pour le grenier. Vos greniers sont peut-être vides pour l'instant, mais vous aurez bientôt assez de nourriture. Oula, ici on n'a plus beaucoup de nourriture. Je vais mettre la moitié d'orange et la moitié d'oursin. Et je vais demander à Poséidon un coup de main pour les oursins. Comme ça, ça devrait aider. On va essayer de rééquilibrer un peu la production alimentaire. Et pourtant, regardez, on a plein d'orangeries. Hein. Ok, mais ça nous demande son tribut. Donc là, ça va être plutôt être intéressant. Comme ça, on va satisfaire leurs demandes et ça les évitera qu'on se prenne des attaques. Et nous, pendant ce temps, on va aller récupérer notre colonie de Malacca avec cette armée. Pendant ce temps, on va aller chercher Carthage avec le reste de nos troupes. On va garder le soutien de Terra pour plus tard. Comme ça, là, on récupère deux colonies, ce qui nous fera deux tribus et un objectif militaire d'accompli sur les trois. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Alors, il en est où le sanctuaire d'Atlas? Il est bientôt terminé, ce qui est une excellente chose. Et pour le moment, Atlas ne veut plus nous aider. Bon, en même temps, on peut le comprendre, il nous a quand même bien sauvés. Donc là, il va falloir surveiller d'où viennent les prochains raz de marée. Donc, Mycène nous regarde un peu plus haut, ça c'est bien. Malacca est tombée, Carthage sont tombés. Excellente nouvelle. Là, on va récupérer nos tribus de laine de la part de Malacca et Carthage son tribut de bronze. Et normalement, il nous resterait qui? Vraiment. Oula! Oh là là, on a. Oh, ça c'est dur. Ah là là, là ça va piquer un peu parce qu'on a perdu des entrepôts, des frégates. Et j'en passe. Je vais essayer de décaler ça comme je peux. Alors, déjà, pas de panique. Donc là, on a perdu tous nos points de science. Hein. Ok, et le laboratoire, est-ce qu'il va rentrer à côté? C'est ça la question. Donc là, on va devoir revoir un peu l'organisation de notre ville. Mais bon, ça va, on s'en est tiré. Nos guerriers victorieux reviennent. Waouh, on a perdu pas mal de trucs ici, c'est un peu dur. Ok. Et en plus, ce qui fait mal, c'est l'oricalque. Là, le coup de l'oricalque. Alors, je vais regarder les docks qu'on pourrait remettre. On pourrait remettre Malacca, Atlantide. Alors, déjà, dock vert. L'Atlantide. Malacca ici. Et les frégates, on va tout de suite les repréparer. On en avait trois. On va tout de suite les mettre comme ça. C'est une bonne chose de fait. Oh là là, ça va être le grand détour, mais laisse tomber. Mais bon, on n'a pas vraiment le choix non plus. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait un troisième raz de marée. Hein. Personnellement, on dit. Il y a le dicton qui dit jamais 203. Je dis ça, je dis rien. Par chance, notre vin ici a survécu. Donc, Tyr ne commerce plus. Je vais regarder un petit peu les ports s'ils ont reprogrammé certaines choses. Non. 12. Achat de vin, on va éviter. Achat de laine, oui. Et le blé de Malacca sera utile aussi.
Qu'est-ce que je pourrais rajouter? De l'oricalque, ouais. Bon, ça va. Athéna tourmente Memphis. Alors, Memphis, fallait s'y attendre. Hein. Ensuite, là, enrôlement général de tout le monde. Et go Memphis. Le grand sanctuaire n'est toujours pas terminé, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui manque comme ressource? Ah, le marbre noir, bon ça, il y en a. J'aimerais aborder bon. Mon concours. Avec on active le chicote. Atlas is building. Ok, j'ai compris, il faut conquérir. Ah. Attends, je vais recharger, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je pense avoir compris ce qui bloque. En fait, il faut éviter d'attaquer trop d'ennemis d'un coup. En fait, il faut attendre attaque, mettre le tribut à. Donc là, déjà, on repère tout. Ok. Sympa. On a perdu beaucoup de choses. On va recommencer. Alors, déjà, je vais mettre un dock vers Malacca. Atlantide. Ici, j'en mettrai un également. Ah ouais, mais là, je vais t'emmerder parce que... Attends, regardez. Je vais décaler l'observatoire tout de suite, je vais refaire ma manœuvre. Vous allez revoir un petit peu une redondance, désolé, mais j'ai vraiment pas le choix là. Là, je vais tout de suite empêcher ça. C'est nickel. Derrière. On va reprogrammer tout de suite les frégates. Il en faudra 3. Nickel. Là, on va mettre celle-ci comme ça. Et là, on va essayer de placer quelques parcs à oursins, si c'est possible. Pour assister la croissance, là. Je regarde un petit peu. Il nous reste encore le dock de l'Atlantide ici à mettre. Et si on peut rajouter quelques parcs à oursins, bah c'est génial, quoi. Même si c'est pas sexy dans l'idée, mais bon. On n'a pas vraiment de choix. Je vais rajouter aussi un entrepôt ici pour de l'oricalque, ce qui va augmenter la puissance de frappe de nos frégates. Hop, l'oricalque, on va en racheter 12. Hop. Pas d'autres parcs à oursins, non. Non, ici c'est mort, ici ça va être compliqué également. Voilà, ça m'embête de mettre une maintenance, mais là j'ai vraiment pas le choix.
Hop, celle-là, je la vire. On va essayer de renforcer un peu nos stocks de nourriture à l'heure actuelle. C'est un petit peu compliqué. Je vois que vous manquez de nourriture. Je vais demander de l'aide à Zeus, à Poséidon et à... comment il s'appelle ? Artemis, voilà, chercher le terme. Mais là, j'ai trouvé. J'aimerais on continue de spammer avec monsieur... Donc, ok, donc chaque année, on pourra attaquer une cible à la fois. Donc on va être prudent sur ça, ça nous évitera des ennuis. Bon là le quartier sud ça va. Actuellement on n'a pas trop de soucis. Par contre est-ce que j'ai le doc de Syracuse encore? Oh. Ah bah il n'y a plus de maintenance ici. Ok, bon, on va tout de suite envoyer la requête de marchandises. Les 4 pressoirs en olive. On va les remettre. Avec la maintenance requise. Les blocs de marbre vont arriver en masse. Donc là, je vais faire une sauvegarde. Et on va voir comment réagira Carthage. Si on va aller attaquer le mont Olive tout de suite pour être tranquille. J'ai quand même gardé mes compagnies guerriers mythiques en réserve en cas de pépin. Ok, donc là c'est pas mal, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui reste encore pour le sanctuaire de Poséidon? Les blocs de marbre vont arriver. Le mont Olympe vient de tomber, c'est une excellente nouvelle. Et je vais aller chercher quand même Thémiséra pour juste l'huile d'olive, c'est juste pour le principe quoi. Donc j'enregistre. Carthage a été puni par le Zeus qui était bien vénère. Attendez, qu'est-ce qui manquerait? Bah des olives, oui. 12. Et là, le tir qui ne commerce pas avec nous. Bon, on va aller la chercher aussi, tiens. L'année prochaine. Elle va tâter de notre lame. Donc nos frégates ont fait le boulot. Et ça, c'est cool. Donc j'irai chercher Memphis en dernier, jouer Thémiséra et Tyr pour récupérer le bronze. Carthage s'est remis de l'attaque de Zeus, hein, qui était bien vénère. Envoyer les sicultures à Syracuse, comme ça, ça va augmenter notre popularité. Je vais faire aussi un dock vers Saqqara. Le temple de Poséidon est également terminé, ce qui est génial. Je vais avoir trop d'oricalque ici, ça va être problématique. Je vais virer juste ça en attendant. Alors, Saqqara. Non, ça passera pas. Pour le moment, c'est pas possible. Ok. Alors, ce que je vais faire déjà. Tire. Et Thémiséra. Alors, tire déjà. Et je vais envoyer les 3 frégates. Les 4 compagnies mythiques. Hop. Et de l'autre côté, j'envoie tout le monde, toute l'armée plus Terra. Comme ça, ce sera bon. Et là, on aura encore plus de tribus.
Bon, le paysage était un petit peu refaçonné depuis. Un nouveau tribut de mycènes. On s'en fiche, l'économie tient. J'ai rien à envoyer. Vous voulez que j'envoie qui? Là, si je récupère Tyr, je peux me racheter du bronze, je vais tout de suite le programmer. Et 12 blocs de bronze, allez. J'ai personne. Temiserra est enfin tombé. Tyr, on n'a toujours pas de nouvelles. Ça veut dire que l'huile d'olive, là, elle va arriver en masse pour les tribus. En Méditerranée, les soldats atlantes, harassés, rentrent chez eux. Mais leurs nobles efforts n'ont pas été vains. Grâce à leur courage, les Grecs ont relâché leur emprise sur l'Égypte et la Phénicie pour se replier vers leur terre natale. Même les centaures ont été chassés de leur cité du mont Olympe et se terrent désormais au plus profond des montagnes. Chez nous, les scientifiques ont presque terminé de réparer l'arme secrète. Bientôt, sera possible de l'utiliser contre Mycène et de neutraliser une bonne fois pour toutes le péril grec. Voilà, bon, on a réussi notre mission, c'était plutôt difficile dans le sens où avec la gestion de nourriture et des ressources c'était un peu compliqué, les différents rats de marée qui sont semés à la pagaille. Après, le fait qu'il fallait attaquer une des 6 colonies cibles à la fois, ça a été aussi la difficulté. Il fallait bien être opportuniste, attendre d'avoir le tribut de Versa à Mycène pour pouvoir attaquer derrière. Voilà, bon, on a réussi. Et ça, c'est le plus important. Du coup, je crois que la prochaine fois, on se retrouvera pour le dernier scénario de cette campagne de la Renaissance de l'Atlantide. J'espère qu'en tout cas, ce scénario vous a plu. Il sera peut-être plus long que d'habitude. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Voilà. Et n'oubliez pas la page Tipeee dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement. Voilà. À la prochaine, les amis. Ciao.